Salut à tous les amis, c'est Caro de la chaîne Caro et le droit. J'espère que vous vous portez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, une vidéo, une astuce pour vous parler du bulletin de paie. Savez-vous combien de temps un employeur doit conserver les bulletins de paie de ses salariés? Eh bien, la réponse se trouve dans l'article L3243-4 du Code du travail qui dit que c'est pendant 5 ans. Donc les employeurs doivent conserver les bulletins de paie de leurs salariés pendant 5 années. Alors, en pratique, je conseille quand même de les garder pendant plus longtemps parce que, chers employeurs, vous pourrez avoir des contrôles de l'administration fiscale, de l'inspection du travail et autres. Donc gardez-les en pratique plus longtemps, je dirais peut-être 10 ans. En ce qui vous concerne, vous, chers salariés, combien de temps devez-vous les conserver? Eh bien, il n'y a pas de limite maximale à la conservation. Gardez-les indéfiniment. D'ailleurs, l'article R3243-5 du Code du travail dit que votre bulletin de paie doit comporter une mention en caractère apparent qui vous incite à le conserver sans limitation de durée. Donc, faites très attention, gardez bien vos bulletins de paie. Et si toutefois il vous arrivait un pépin, que vous perdez par exemple votre bulletin de paie, eh bien vous pouvez toujours essayer d'en demander un double à votre employeur, demandez-en un duplicata, mais sachez que sauf certaines circonstances, l'employeur n'est pas tenu de vous délivrer un double. Donc faites très attention à garder les originaux qu'il vous fournit initialement. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt.